ce geste de toi viendra mon secours. Viens se mettre dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce jeudi 9 décembre. Déjà, le temps file, Noël approche. On rejoint tout de suite pour sa chronique le bon Simon Lessard et à l'homélie, ce sera Brigitte Bédard. Bonjour tout le monde. Alors, nous approchons peu à peu de Noël. Alors, j'ai pensé avec vous méditer sur le sens de Noël pour mieux s'y préparer. Vous savez, vous et moi, on vit dans une société de moins en moins chrétienne, de moins en moins de gens ont la foi. Peut-être que vos parents, vos enfants, vos petits-enfants, vos voisins, vos collègues de travail ne partagent pas votre foi. Certains vont à Noël, à l'église une fois par année à Noël, mais même cette pratique est de moins en moins courante. Alors, que faut-il faire avec Noël? Faut-il annuler Noël, bannir Noël, le transformer par une fête de l'hiver ou de la lumière? Quel sens peut bien avoir encore Noël dans le monde d'aujourd'hui? Eh bien, en 2019, le pape François a essayé un peu de répondre à ça en écrivant une lettre apostolique qu'il a appelée « signe admirable ». Pourquoi il l'a appelée comme ça? Parce qu'il voulait parler du signe admirable qu'est la crèche de Noël pour toutes et tous. Eh bien, je vous invite, pour bien vous préparer à Noël, à aller sur Internet et à retrouver cette lettre « signe admirable » et de la lire, hein, de lire cette lettre du pape François, si vous le pouvez, de la lire devant une crèche, c'est encore mieux. Que nous dit le pape dans cette lettre? Il nous dit plusieurs choses, dont ceci. Il nous dit « Le cœur de la crèche commence à battre quand, à Noël, nous y déposons l'enfant Jésus. Dieu se présente ainsi dans un enfant pour être accueilli dans nos bras. Dans la faiblesse et la fragilité se cache son pouvoir qui crée et transforme tout. » Alors, comme toujours, Dieu est absolument imprévisible. Il se manifeste même à l'extrême opposé de nos attentes, souvent trop humaines. Dans la crèche, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on trouve un Dieu proche contre notre idée d'un Dieu lointain. On trouve un Dieu faible contre notre idée d'un Dieu puissant. On trouve un Dieu tendre contre notre idée d'un Dieu sévère. Suprême folie de tout dans la crèche, on trouve un Dieu qui demande à ce qu'on s'occupe de lui, alors que nous, on voudrait juste que ce soit Dieu qui s'occupe de nous tout le temps. Hein? Il est un petit enfant, c'est à nous de s'occuper des petits-enfants. Le premier sens de Noël, donc, du mystère de l'incarnation, hein, de Dieu qui vient vivre avec nous, on pourrait dire que c'est l'humilité de Dieu. Dieu se fait tout petit par amour pour nous aider à ce que ce soit de plus en plus facile pour nous de l'aimer, hein, parce que c'est tellement facile d'aimer les petits-enfants. Donc, la crèche a ce pouvoir extraordinaire de transformer notre vision de Dieu. Plusieurs de nos concitoyens, concitoyennes ne croient plus, hein, parce qu'ils disent ne pas aimer cette idée d'un Dieu sévère, d'un Dieu qui punit. Eh bien, rien de mieux que de les amener devant une crèche, de les amener célébrer Noël à l'église pour transformer leur vision de Dieu. D'une certaine manière, la crèche peut être un médicament contre notre peur de Dieu, notre crainte de Dieu, ou même une thérapie contre nos fausses visions de Dieu. La fête de Noël, hein, c'est la fête d'un Dieu si fragile que notre seule peur devrait être de blesser son cœur qui nous aime. Alors, mettons des crèches partout et préparons-nous à Noël en les contemplant. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de décembre, un beau cadeau de Noël qu'on peut se faire ou faire à quelqu'un d'autre. Alors, c'est le pendentif de la Vierge Marie Consolatrice. Il est en acier inoxydable, gravé au laser et orné de petits zircons. Ce pendentif, il est déjà béni et à votre demande, la chaîne est incluse. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Merci de votre offrande spéciale de Noël en ce mois de décembre 2021. Et comme je vous le disais la semaine dernière, merci de donner des moyens au bien. On regarde l'état de la planète et on voit bien que le mal a tous les moyens nécessaires pour faire ses affaires. Mais nous, il nous faut se donner des moyens pour que le bien puisse se faire entendre. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, qui est un moyen très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, merci de tout cœur de votre offrande spéciale de Noël en ce mois de décembre. Merci aussi de donner des mains à la Providence et merci de donner des moyens au bien afin qu'il puisse se faire entendre. Merci de tout mon cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin, tout le monde. Ouvrons notre cœur, notre esprit, pour écouter la parole de Dieu pour nous aujourd'hui, personnellement. On a quelque chose à recevoir. Jésus déclarait aux foules, « Amen, je vous le dis, parmi les hommes, il n'en a pas existé de plus grand que Jean-Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence. » Et des violents cherchent à s'en emparer. Tous les prophètes, ainsi que la loi, ont parlé jusqu'à Jean. Et si vous voulez bien comprendre le prophète Élie qui doit venir, c'est lui. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors ça, c'est mystérieux parce qu'il faut comprendre, il faut connaître l'histoire d'Élie. Je disais, pourquoi il parle d'Élie, là? C'est quoi le rapport? Alors, le rapport, c'est que Élie, c'est ce fameux prophète de l'Ancien Testament, n'est-ce pas, qui s'est envolé sur un chariot de feu, là, vers les cieux. Il a disparu comme ça. C'est une espèce d'assomption. Comme Marie, comme la Vierge Marie, c'est comme, il est parti au ciel comme ça. Ah oui, Dieu, il peut tout faire. Hein? C'est pas lui seul qui l'a fait. Hein? C'est Dieu qui a fait en sorte qu'Élie a pu monter comme ça, comme la Vierge. Mais Jésus, lui, il s'est ressuscité lui-même. Voilà la différence. Mais c'est pour ça qu'on dit que c'est une ascension. Mais pourquoi il parle d'Élie? Pourquoi il fait le rapport avec Jean le Baptiste? Hein? C'est que
les Juifs de l'époque attendaient le retour d'Élie. Ils disaient, c'est parce que ça va être lui le Messie. Alors, ils s'attendaient à un grand guerrier, quelque chose qui arrive avec ses épées puis qui allait combattre les Romains. Alors, on a souvent, il y avait souvent cette image-là. Eh bien non, le Messie qui est venu, c'était Jésus. Tout humble, tout doux, tout pauvre. Puis son armée, c'était des pêcheurs de poissons, des gens qui ne sont pas très cultivés, c'était pas des grands savants, c'était... Mais ils avaient le cœur ouvert. Puis Jean le Baptiste, il dit, bien, c'est lui, Élie. Alors, il est pas comme un guerrier, là. Il est comme un mendiant dans le désert qui mange des sauterelles habillé en habit de poêle. C'est de ça qu'il a de l'air. Oui, c'est le plus grand et pourtant c'est le plus petit. On peut se demander pourquoi Jean le Baptiste n'a pas suivi Jésus. Ça a dû être souffrant pour lui, vous ne pensez pas? Si on avait été à sa place, on aurait voulu suivre le Christ. Il savait, lui, qui était Jésus. Il l'a su, qui il était. Il aurait pu le suivre. Deux de ses disciples, André et Jean, ont suivi Jésus et sont devenus ses apôtres. Lui, il ne l'a pas suivi. C'était pas ça son rôle. Il a écouté ce que Dieu voulait de lui. Il a écouté Dieu le Père. Il préparait la venue du Seigneur. Et c'était ça sa place. Avec la croix qui a dû venir avec et la fin tragique qu'on connaît. Mais oui, c'était ça sa place. Puis s'il n'y avait pas eu Jean pour faire ça, le Seigneur n'aurait pas eu cette annonce, ce chemin déjà creusé. Bien, ça nous dit ça à nous aussi aujourd'hui. Dans le plan de Dieu, mystérieux, qui est insondable, on a notre place, on a notre rôle, on a notre mission. Chacun a une mission très spéciale, spécifique. Et si on écoute bien, dans la prière, chaque jour, on sait ce que le Seigneur veut nous dire. On sait où il nous envoie. On sait à qui il veut qu'on parle. On sait ce qu'il veut qu'on fasse aujourd'hui pour la venue de son royaume. Mais ça, c'est une grâce. Et la grâce, on l'obtient en priant, en jeûnant. Des fois, on a besoin. Alors, on va demander cette grâce à Dieu de vraiment connaître c'est quoi son plan pour nous aujourd'hui. Demandons cette grâce. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur nous en fait la promesse, il ne nous abandonnera jamais. Est-ce qu'on en est conscient? Peu importe nos besoins, le Seigneur est là, il entend, il sait mieux que nous-mêmes ce dont nous avons besoin. Aujourd'hui, faisons-lui confiance et accueillons les dons qu'il veut nous faire. C'est pas toujours comme on s'en attend, hein, n'est-ce pas? Mais pourtant, le Seigneur est là et il nous abandonnera jamais. C'est sa promesse pour chacun de nous aujourd'hui. Accueillons ce qu'il veut nous donner. Je pense que ça vaut la peine. Bonne journée. Ces gens-là qui ont une richesse de vie, qui ont une expérience, qui ont des choses à nous apprendre. Et qu'on met de côté. Qu'on met de côté trop souvent. Les enfants oubliés traînent dans les rues sans but et au hasard. Ils ont froid, ils ont faim, ils sont presque nus.